Salut, je me parle, bienvenue à Luigi Info TV. Je dis là, je vais une vidéo très intéressante pour nous. Je n'ai pas de notre vidéo. Je dis là, je parler de jeu haïtien capturé dans FC Barcelone. Oui, dans FC Barcelone. Nous pas besoin de saisir. Je vais vous tous les détails sur monsieur. Et monsieur, c'est un joueur déjà très reconnu en Espagne. Je dis là, il y a une photo avec Tancou Dembélé, Tancou Messi, etc. Bon, je vais vous plus de encore. Si vous avez un compte, tous les détails sur monsieur, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous proposer. Bon, c'est même pas un stop tout à l'heure. Je dis un peu à propos du jeu haïtien qui a joué dans FC Barcelone. Et vidéo ça qu'elle a regardé, Kounia, ok. C'est vidéo monsieur pendant la vie actuellement dans FC Barcelone, ok. Pour me continuer, je connais bien un peu de gens qui jouent dans le football international. Là, mais là, pour y voir jouer dans Barcelone, il y a un qui est considéré comme dans le sommet football. Là, c'est pas chaque jour ça fait, ok. Mais je dis, oui, nous avons un joueur qui a joué dans FC Barcelone et non, il parle de Conrad de la Fuente. Oui, je connais nous, un petit genre, etc. Ok, je vais pas l'écrire dans la vidéo, hein, de façon pour apprendre comment l'écrire, ok, pour ne pas trop indifférent avec nous. Bien, je fais le 16 juillet 2001, je suis un footballeur haïtien-américain, je joue comme attaquant en équipe Barcelone infantile. Je fais Miami, Florida, ok, et aux États-Unis, je suis 18 ans actuellement là. Monsieur mesure 1m70 ou bien 5 pieds ou bien 7 pouces. Monsieur déjà joué pour l'équipe nationale États-Unis, hein, et U16, là, U18, là, U21, mais nous n'avons pas besoin de tête problème, ok. Si monsieur t'a pas voulu, ok, si monsieur t'a pas décidé de un futur jeu pour l'équipe nationale haïtienne, hein, ça n'a pas évité les jeux, ok, qui ont seulement les jeux pour U16, là, U18, là, et puis U21. Et donc ça n'a pas un problème. Bon. Il y a un peu de monde là qui peut le penser, bon, chaque fois que je connais M. Haïtien, pour ça me dit M. Haïtien, etc. Et bien, nous maintenant, nous allons venir avec preuve que donc, moi, je ne vais pas les mentir, je vais toujours battre les vérités sur ce channel là. Je vais faire une preuve. Bon, pour nous qui avons des doutes, pour nous qui n'avons pas de preuve que M. Haïtien, je vais faire une dépôt, qui va le convaincre à 100% que M. Haïtien. Vous préparez, et bien, 8 ans, nous allons balancer nous une fois dans la preuve. Bon, je vais vous montrer une page. Des pages que je vais prouver que monsieur est haïtien. Bon, je connais quelqu'un qui parle de 10 pages, je connais des matières, etc. Bagaille. Non, je vais vous montrer une page. Je vais regarder là, il est Marcet. Marcet, c'est une académie de football, une école de football. L'école de football, ça, c'est pour le football. Qui donc, là, c'est une information officielle seulement à trouver. Bon, notre information, ça, nous allons seulement garder un petit parti intéressant. Ok, c'est parti ça qui est marqué, information en espagnol. Ok, je vais traduire pour nous. Qui ça dit? Lisez comme ça. Sous famille originale d'Haïti, je vais avoir Agnes Ubin de Miami. En créole, il signifie. Famille originale d'Haïti, tu as plusieurs années à vivre en Miami. Ok, donc là, il dit comme ça que famille, c'est effectivement c'est haïtien, ok? Originaire d'Haïti. Ok, deuxième page là, qui t'a pas ça, sport. Sport c'est un média football très très populaire, ok, et qui très respecté tout. Donc quoi si nous comme si mon cap gardien qui suit football international en pile, ça va comparer des médias football ça sport, ok, qui donc là et c'est information officielle qui me parle bah, ok, sport bah normal. Et nous parlons de notre parti, ok, petit parti intéressant, c'est petit parti ça, ok, ok, il y a en espagnol, nous parlons du bon talent tout qui ça dit comme ça. Sus padres son de Haïti et nacho en Miami. Ça signifie, papa c'est haïtien, lui même li fait en Miami. Il a dit sus padres, qui donc c'est tous les deux pères, c'est comme si tous les deux parents, maman avec papa, sus padres. Ok, c'est un pluriel. Bon, là je ne connais pas rien d'autre. Et puis l'autre bagage est bien dit nous tout, Conrad effectivement li fait en Miami, mais il a dit qu'il est allé dans la ville de Barcelone. Ok, dans la ville de Barcelone, ça a été commencé dans. L'école de football qui me dit ça dit nous que donc Marcet et puis il a été commencé pour faire premier parler OK et dans football en Espagne. Bon. C'est la même fin de vidéo ça me pas mais j'espère que vous avez aimé vidéo si c'est comme ça pas aimé faire comme ça dans commentaire qui sont pensé des vidéos et qui sont pensé des Conrad. Pas lui faire comme ça nous passer dans commentaire. Bye bye à la prochaine.